Bienvenue dans l'un des deux seuls pays ayant accueilli le championnat du monde de Formule 1 chaque année depuis sa création en 1950. Je parle bien sûr de l'Italie, l'une des nations les plus passionnées de sport automobile. Il est grand temps de monter le volume et de se retrouver au premier virage. Le Grand Prix d'Italie va commencer. La pluie s'abat tout au long des 5,7 km du circuit de Monza, ce qui risque fort de pénaliser les écuries qui ici misent toujours sur des réglages à très faible appui aérodynamique. De quoi rendre les monoplaces extrêmement instables, particulièrement dans la Parabolica, puisqu'il s'agit du virage le plus exigeant de ce tracé, qui en comporte 11 au total. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Lewis Hamilton part en pole position et Nyck de Vries complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Giotto, King, Esteban Ocon et Verstappen, Gasly, Bottas, Norris et Charles Leclerc, Giovinazzi, Fiat, Daniel Ricciardo et Stroll, Grosjean, Magnussen, Alexander Albon et Nicolas Latifi, Russell et Iceman. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode du Pilote RP saison 2. Il pleut pour ce Grand Prix d'Italie avec une grille assez étrange. On va voir comment cette course va se dérouler. Les 5 feux vont s'allumer et s'éteindre pour ce Grand Prix d'Italie. Et c'est parti, on y va avec des conditions absolument atroces. On voit quasiment rien sur le départ, regardez. Faut vraiment se fier à son instinct. J'ai pris un bon envol déjà. J'ai bien fait doucement sur l'accélérateur. Je vais tenter quand même le freinage des deux roues dans l'air pour me faire l'espace. Et j'ai mis le minimum d'essence parce qu'on est sous la pluie pendant toute la course. Donc on sera en mélange pauvre pendant la plupart de la course pour éviter de spin. Même si on est à Monza et qu'il y a des grandes lignes droites, on va essayer d'utiliser le mélange riche un petit peu. Mais il faut pas l'utiliser beaucoup parce que dans la Curva Grande, la voiture glissait déjà. Hein, donc c'est pour vous dire à quel point le niveau de grip est très très précaire. Et on se maintient devant quelques voitures pour l'instant. On a pris un bon envol là, avec ce freinage osé. C'est vrai que ça aurait pu partir en couille. Mais bon, écoute, on part dernier. Faut qu'on tente des trucs pour marquer des points. Sinon quoi, je veux dire, faut tenter des trucs. Bon, je pense que ça va être un petit peu moins... un petit peu moins agressif qu'à Abu Dhabi, parce qu'évidemment les conditions ne portent pas fruit au dépassement et ça peut être potentiellement dangereux. Donc je pense que tout le monde va être assez prudent et va mettre déjà son propre rythme de croisière, puis après va penser peut-être à move forward, parce que déjà on roule avec peu d'appui à Monza pour améliorer justement la vitesse de pointe, alors avec l'appui le niveau de grip est extrêmement précaire. Et Franglais qui va dépasser avec sa BMW automation et je vais pas pouvoir faire grand chose. Moteur BMW qui est extrêmement rapide. Alors que derrière on a Guillaume Stop qui va remonter et dépasser Kevin VDL ici dans sa Formule X. Normalement ça devrait se faire à moins que la Formule X reste devant. Ça se peut que les petites équipes du milieu de peloton ont vraiment baissé l'aéro pour essayer de résister. Mais ça n'a pas l'air de porter ses fruits et la Toyota passe devant. Alors qu'ici on se bat avec Santino Andreoli pour la 12e position. Je fais un petit peu monter sur le Vipar, c'est vrai que c'est un petit peu cheeky, mais bon. Écoute, on défend notre place comme on peut et on prend la 12e position. Regardez comment ça glisse. Hein. Dans la Curva Grande, c'était vraiment compliqué. Si je mettais pas le mélange pauvre, je partais en tête à queue dans le mur. c'est pour vous dire. Alors que là, c'est la Ferrari de Santino Andreoli revient pour se battre pour la 12e place. Mon Dieu, ce décalage au freinage. Ce décalage au freinage. Attention, les décalages au freinage sous la pluie, c'est d'autant plus dangereux. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais c'était vraiment limite. Bon, c'est vrai que mon drive était assez chaud aussi. Bon, là, le décalage au freinage était assez borderline. Alors que Ferrari va revenir ici, Ferrari extrêmement rapide en ligne droite, c'est juste celle-ci qui pêche un petit peu. Ferrari qui s'est imposé en saison 1 avec Benida, si c'est pour vous dire comment Ferrari a baissé en performance hein, cette dernière saison. C'est quand même assez triste et assez compliqué. Donc ici on va avoir Santino Andreoli qui va prendre l'aspiration et qui va passer devant. Ouh, attention.
attention. Non, pas de décalage au freinage cette fois-ci. Ah si, bah, et cette fois-ci, ma rentrée dedans. Et c'est le carambolage complet. S'il y a eu des coupures, c'est juste que j'ai mis le menu pause, c'est pour ça. Vous en faites pas. Je me suis fait un petit peu appeler. Ouh là, bah Santino. Ah bah Santino, il était pas vraiment à hauteur là. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Mais en tout cas, ça a provoqué un gros bordel derrière et pas étonnant qu'il y ait une safety car. Et personne n'a pensé à couper la chicane, ils sont juste arrivés comme des bourrins. D'accord. C'est le pile-up un petit peu classique quand il y a un accident à cet endroit-là, hein, j'ai envie de te dire. En plus, ça se battait derrière, donc ils n'avaient pas de place pour évacuer. Et c'est le suraccident, c'est le carambolage, bref. Dans la vraie vie, ça aurait été un drapeau rouge. On a un replay de ce qui s'est passé juste avant pour les leaders de course. Et c'est les deux Williams qui sont en lutte entre elles. Paul Verstappen est toujours sur le podium. Hein. Il n'a pas bougé pour l'instant. Timoun a mis un gros gap sur Miles Sainz. Et les deux Williams qui se battent corps et âme pour la quatrième position. Et je crois que c'est Romain Ferca qui a gardé l'avantage sur son coéquipier. Oui, c'est ça. Pour la quatrième position. Et c'est la safety car qui va être déployée. Bon, on va rentrer au stand parce que j'ai bien peur que mes pneus wet ne durent pas jusqu'au bout. Par contre, vous allez voir que je vais être le seul ou l'un des seuls à rentrer au stand. Il y en a quelques-uns quand même qui rentrent. Mais les pilotes devant, ils sont pas rentrés. Ils sont pas rentrés au stand, ils ont pas voulu rentrer au stand, je sais pas trop pourquoi. Parce que là, à la fin de la course, ils vont avoir quelques problèmes d'usure à mon avis. Hein. Après, c'est vrai que nous, on n'a rien à perdre, donc on tente le pit. Et puis on a cassé nos ailerons, tout ça. Mais les pilotes devant, même, je me demande pourquoi ils rentrent pas. Parce que 40% d'usure à l'arrière, alors qu'on n'a même pas atteint la mi-course, ils vont galérer. Hein. Ils vont galérer les pilotes devant là avec leurs pneus. En vrai, là, potentiellement, s'ils rentrent au stand, on peut se retrouver leader du Grand Prix. Ce qui serait absolument dingue. Mais bon, là, je me dis, stratégie vraiment osée de rester en piste avec des anciens Watt, hein, surtout avec des conditions de grip aussi précaires. En tout cas, la voiture de sécurité va nous relâcher d'ici peu. C'est Timoun qui va donc relancer les hostilités. Une safety car qui rentre au stand. Et c'est reparti pour la course. Ça y est, tout le monde y va à full vitesse. Est-ce qu'on va chercher Santino Andréoli, justement, celui qui nous a accroché juste avant? Coucou, on se retrouve juste derrière lui maintenant. Et vous voyez en droite que Miles Sainz va tenter le coup sur Timoun et Guillaume Stop qui va revenir pour la 14e position. On va essayer de prendre l'extérieur sur Guillaume Stop. Oh là là là, j'ai dû éviter ce qu'il y avait devant parce qu'ils ont freiné un petit peu plus tôt. Et j'arrive quand même à faire un dépassement voulant éviter. Magnifique. Et Miles Sainz qui aura tenté jusqu'au bout hein, quand même hein, pour prendre le lead face à Timoun. Mais il aura tenu l'intérieur et garde sa première position. Mais en tout cas, cet évitement-dépassement était extrêmement beau. On prend donc la deuxième position. Et Santino qui revient encore. Je crois que ça va être la bataille du Grand Prix. Alors qu'ici, ah bah never mind, j'ai fait un dive bomb sur Franglais, mais bon, on voit rien à cause de toute cette buée là. C'est pour vous dire, hein, vraiment, l'eau est vraiment très très présente. En tout cas, on a fait un dépassement sur l'automation au freinage. Donc, on voit ici. Le classement un petit peu près là, et là Nixam est en 7ème position. C'est pas la meilleure course pour lui là, il se battait pour la victoire lors des deux derniers Grands Prix. Là c'est un petit peu plus compliqué pour le leader du championnat qui va devoir se défaire de Nox devant lui. Il va faire l'extérieur peut-être la parabolique, alors qu'il y a un drapeau jaune. Il y a quelqu'un qui a dû s'arrêter peut-être pour engine failure je pense, ou quelque chose comme ça. Et Nixam par l'extérieur sur Nox, et c'est passé sur la Red Bull Audi assez facilement, ou alors c'est les débris d'autres accidents, je sais pas trop, mais en tout cas il y avait un drapeau jaune. Et oh, et Nox qui revient, wait, what? Le moteur Audi il a upgrade hein, pour certaines équipes, hein, j'ai l'impression, parce que normalement la Red Bull n'est pas allée censée chercher. Et la Toyota en ligne droite, c'était l'un des circuits faibles de la Red Bull justement. Ces deux dernières saisons, ah, c'est Ludo qui a cassé son aileron sur quelqu'un, c'est pour ça qu'il y a des drapeaux jaunes qui sont un petit peu partout, j'ai l'impression. Et Belinda qui va se débarrasser de Ludo. Bah c'est vraiment une course. C'est le jour et la nuit entre les deux pilotes QRT là. J'avais envie de vous dire, parce que là, on a Miles Sainz qui est sur le podium, et puis t'as Ludo, bon, il se bat pour des petits points et qui casse son aileron, donc il va devoir rentrer. Et il va se retrouver hyper loin. Il faut que je me débarrasse de Ludo par contre, parce qu'il risque de me ralentir, voilà, merci.
Et on est en 11e place. Mon dieu, ça glisse, ça glisse. La voiture, elle perd le train arrière assez vite. Hein. Faut vraiment faire gaffe. On est toujours en négatif d'ailleurs. Il va falloir penser à économiser notre fuel. Sinon, on risque d'être un petit peu en PLS. On va pas se mentir. On arrive à quand même tenir le rythme de la McLaren. Et Guillaume Stop qui revient avec sa Toyota, forcément. Mais on va quand même tenter. Oh, oh, oh. Encore une fois, les deux roues dans l'herbe. Par l'extérieur, Ascari, mais on perd la voiture. Guillaume Stop qui décroise dans Ascari carrément. Oh la vache. Grosse lutte en tout cas. Grosse lutte pour la 11e place. Face à mon ancien coéquipier. Bon, je pense pas qu'il veut se retrouver là, mais bon, écoute. En tout cas, c'est une belle lutte. Et on va retenter ici, à l'intérieur. Il a pas vu venir. Et on prend la 11e position à nouveau. Mais il va sûrement me reprendre dans la ligne droite. Je pense que ça va être que ça, parce que la Toyota, c'est vraiment une voiture rapide. Regardez-moi ça, mon Dieu Seigneur. Oh là là. La différence en ligne droite est absolument dingue. Je vois déjà quasiment même plus le nom. S'abuser. Et on y va quand même à l'intérieur. Blocage de roue, les 4 roues bloquées là, je pense. Et on a réussi à tenir. On a réussi à tenir, je ne sais pas trop comment, la voiture sur la piste. Et reprendre la 11e position à nouveau à Guillaume Stop et sa Toyota. Bah oui, la pluie, ça nivelle un petit peu les performances, malgré que Toyota soit beaucoup plus rapide en ligne droite. Sur le sec, j'aurais pas tenu. Hein. Sur le sec, j'aurais pas tenu, c'est sûr. Mais bon, la pluie, ça nivelle un peu les performances. Comme je l'ai dit, donc on peut vraiment tenter de résister pour regarder cette 11e position face à Guillaume Stop. Et ça se trouve, s'il y a un failure, s'il y a un problème devant, eh ben ça serait les points aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on se bat comme ça. Donc on se loupe complètement dans le laisse-moi. On glisse complète, il l'a vu. Il l'a vu, Guillaume Stop. Ouais, ça ne passera pas. Ça ne passera pas pour le pilote Toyota, mon ancien coéquipier. Ça restera derrière. Il y a aussi la Ferrari de Santinandreoli qui s'est joint à la bataille, j'ai l'impression. Alors que devant, c'est Tim Moon qui met tranquillement son Grand Prix devant Miles Hayes. Paul Van Der Ven est toujours sur le podium devant les deux Williams. Et Nick Sam qui se bat toujours avec Knox, qui n'a pas lâché le morceau depuis. Ben, ces Red Bull sont vraiment compétitives. Hein. C'est peut-être la pluie qui fait ça, parce que, comme je l'ai dit, c'était l'un des circuits faibles de la Red Bull, justement. Et les deux sont toujours côte à côte. J'ai l'impression qu'Audi a vraiment fait une upgrade. Pas pour l'écurie mère, hein, bizarrement, mais pour les équipes clientes, oui. Ce qui est très étrange, parce que normalement c'est l'inverse, mais bon, écoute. What can I say, hein? What can I say? Allez, Nick Sam qui va dépasser Benjamin Knox pour de bon, je pense. Alors que derrière, c'est la lutte encore avec Guillaume Stop pour garder cette 11e position. Regardez d'où il vient, il est déjà juste derrière moi, alors qu'il était à 8 dixièmes ou quelque chose comme ça. C'est pour vous dire la différence en ligne droite. Est extrêmement énervé. Et ça va être dur de tenir jusqu'au bout, à mon avis, même si la pluie baisse cet avantage. Et Guillaume Stop sur l'intérieur. Ben, je peux rien faire, je peux même pas me décaler parce que je sais qu'il va me doubler en ligne droite. Donc ce que je peux faire, c'est riposter, laisser faire et riposter au freinage. Parce que j'ai l'impression que la voiture se comporte mieux sur les freins que la sienne, en tout cas dans ces conditions-là. Et encore une fois, l'aspiration, je pense qu'il va tenter dans la courbe à grande D, il va se décaler dans la courbe à grande D parce que je suis moins confiant que lui dans la courbe à grande D, parce que comme je vous l'ai dit, la voiture elle glisse à cet endroit-là. C'est très très proche à Guillaume Stop, hein. Très très proche de l'herbe, très très proche de nos voitures. Et franchement, c'est propre, hein. Franchement, c'est une très belle bataille, c'est très très propre. Et Guillaume Stop, est-ce qu'il est passé ou pas? On ne voit pas trop avec cette POV. Non, il est toujours derrière. Il est toujours derrière Guillaume Stop pour l'instant. Il n'a pas réussi à passer. Mon Dieu, le survirage. La vache. C'est pour vous dire, on pousse à peine la voiture. Ça fait des grandes cabriolets. Là. C'est des grandes cabrioles, pardon. Des grandes cabriolets. Mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Et Guillaume Stop qui va sûrement se décaler à Ascari. Et encore. Mais c'était une tentative d'intimidation, il n'y a pas été cette fois-ci. C'était juste une tentative d'intimidation. Mine de rien, on perd pas tant que ça, hein, sur les pilotes devant, malgré notre bataille acharnée. Et Belinda qui va chercher Draken devant les automations qui sont pas très très rapides, hein, dans ces conditions-là, j'ai l'impression. Pourtant, le moteur BMW est un bon moteur, c'est peut-être la pluie qui fait pêcher la voiture, ça se peut que ce soit ça. Donc ici, on résiste quand on peut, encore une fois, au même pilote depuis quelques tours déjà. Il va rester deux tours. Guillaume Stop encore. Et on va riposter une nouvelle fois au freinage. Je pense que vous avez compris le schéma. Et on y va. Oh, le décalage. Mon Dieu. Mais
Mais qu'est-ce qu'ils ont à se décaler comme ça au freinage? Mais on est à plus, on est à 320, 330 sous la pluie, ils se décalent au freinage. Genre, il doit savoir que je fais ça à chaque tour, non? Enfin, je pense qu'il le sait s'il fait ça. Mais bon, c'est borderline quand même. Alors qu'ici, il retente à la courbe à Gandé, et encore une fois, ça passe très très proche. Et qui va avoir l'avantage sur les freins? Ouais, c'est vrai, j'ai un petit peu fermé cette fois-ci, un petit peu en revanche de ce qu'il m'a fait au freinage, effectivement. Bon. Et c'est passé pour de bon, je pense, parce qu'il a bien ralenti. Donc ici, on a la lutte pour la troisième place avec Van Der Ven, qui maintient toujours sa position. Il n'a pas lâché depuis le début de la course. Mais bon, je pense que là, ça risque d'être compliqué, parce que les Williams sont bien plus rapides de base. Et Romain FRK qui va prendre la troisième position. À Paul Van Der Ven, Miles Sides, hein, qui a vraiment mis le gap. Hein. Miles Sides, là, il est bien parti pour terminer deuxième. Ce serait un très très beau résultat avec la voiture qu'il a, franchement. Avec la QRT, ça serait exceptionnel de terminer deuxième. Il a même essayé de prendre le lead hein, à la relance à Safety Car, hein, quand même. Franchement, très très belle course de Miles Sides, l'un des drivers of the day, hein, je pense. Alors qu'on a Jambon qui va se débarrasser de Knox derrière, un petit peu plus compliqué pour le vainqueur de la dernière course, justement, qui se bat pour la 7ème position. Et Rubens Moro qui va encore une fois tenter sur Benjamin Knox. Il a fake l'outside pour aller dans l'inside de Parabolica et prendre la 7ème position à Benjamin Knox. Et va essayer de chasser les pilotes devant lui, alors que Belinda est au stand. Et du coup, effectivement, c'est les points maintenant. On est dans le top 10, on se bat pour un top 10. Belinda est dans les stands, on va tenter. Encore une fois, le décalage, mon Dieu. Et on est quand même passé. On est quand même passé, les deux roues dans l'herbe. Et là, je pense qu'on n'a plus qu'à résister dans un Curva Grande. On a fait le plus dur, à mon avis, pour tenir cette 10ème position. On va falloir tenir dans l'avant-dernière ligne droite. Par contre, c'est ça, Loïc. Alors qu'ici, on a Paul Van Der Ven qui va encore se faire doubler. Regardez la distance qu'a mis la Williams. Déjà, on a quasiment un ou deux tours. Et Noctawa qui est passé. Est-ce que Nixon va passer sur Paul Van Der Ven? C'est le dernier tour, c'est la dernière tentative de toute façon pour faire quoi que ce soit, donc il doit avoir le moteur à fond. Et Nixon par l'extérieur. Le moteur Toyota est l'un des plus rapides, donc c'est vrai que c'est compliqué. Il aura quand même résisté 90% du temps Paul Van Der Ven, donc vraiment très belle résistance. Mais bon, malheureusement, bon, la performance de la voiture se fait ressentir. Et Nixon qui fait l'extérieur à la parabolique pour prendre la 5ème place au tout dernier moment et des points précieux pour la lutte au championnat du monde. Rubens Moro a terminé juste derrière aussi, mais Paul Van Der Ven va terminer 6ème. Mais c'est victoire de Team Moon aujourd'hui à Monza. Il est donc notre 3ème vainqueur différent cette saison. Et Miles Sides 2ème. Franchement, très très belle course de Miles Sides. Franchement, je pense qu'on a un podium qui va être très très heureux aujourd'hui entre Team Moon, Miles Sides et Romain FRK. Quant à moi, je vais terminer 10ème juste devant Guillaume Stop, si je ne me plante pas dans le mur, s'il vous plaît. Avec cette magnifique lutte qu'on a eue. Okay, pick up rubber and bring it home. Un nouveau Grand Prix d'Italie s'achève sur une victoire amplement méritée. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Eh bien, l'écurie dispose d'une monoplace parfaitement adaptée aux conditions d'aujourd'hui. Puisque la machine offre un bon compromis sur piste mouillée, le pilote a moins de réticence à attaquer. Il peut ainsi mettre les gaz plus tôt et retarder le freinage au maximum, ce qui permet de prendre l'avantage. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Examinons le classement des pilotes. Ce résultat réduit l'écart entre le leader du classement et les autres. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? Pour moi, c'est Iceman. Ce qui est sûr, c'est qu'ils reviennent de loin. Ce n'est jamais facile de manœuvrer dans la mêlée. C'est une performance admirable. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Mercedes se hisse au sommet du classement. L'écurie Ferrari est quant à elle parvenue à remonter au classement. Ils ont réalisé une belle performance ce week-end et maintenant, ils visent le sommet.
Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Eh bien vous avez le résultat de la course, donc Timoun devant Miles Sainz et Romain FRK. Miles Sainz qui n'est qu'un rookie et qui éblouit déjà vraiment avec cette performance sous la pluie, franchement c'est exceptionnel. Donc Tawa 4ème, le leader du championnat Inksam termine 5ème devant Paul van der Ven 6ème qui aura fait un très beau Grand Prix. Très beau week-end en général, en se qualifiant 3ème et en terminant 6ème. Ensuite on a Rubens Moreau devant Benjamin Knox, Matteo Draken, et donc je complète les points. Vraiment, j'ai donné quasiment ma vie pour avoir cette 10ème place. C'était assez abusé, on va pas se mentir. 5 secondes de pénalité pour Luchardon et Tovigno. Oui, bon, je pense que c'était à cause du suraccident, le jeu a décidé de pénaliser. Et puis vous avez les deux Ferrari qui ont terminé 12 et 13 alors qu'ils se battaient pour le doublé en saison 1. Ferrari, mais qu'est-ce qui est devenu Ferrari? Franchement, c'est n'importe quoi. Et on peut parler de McLaren aussi, hein, avec Belinda qui était 10ème, bah, avec son arrêt, elle a descendu hyper loin aussi. Enfin, c'est ridicule. F2 donc, parce qu'on passe à cette catégorie qui a aussi lieu, Aquari en pole position. Devant Gyopi, le pilote national, qui part donc en deuxième position. Et vous avez vu le reste de la grille, à quoi ça ressemblait tout simplement. Donc on va s'élancer pour ce Grand Prix de Monza Formule 2, qui se passera dans les conditions sèches cette fois-ci. La pluie qui a eu le temps d'être débarrassé, j'ai l'impression, pour la course de Formule 2, ce qui est une bonne nouvelle, je pense, pour tous les pilotes présents sur cette grille de départ. Parce que bon, la pluie en F2, je pense que ça aurait pu être encore plus chaotique, à mon avis. Quoique la piste est quand même assez brillante, donc je pense que la piste doit être quand même assez grasse, à mon avis. Mais bon, ça se passera dans des conditions sèches, sûrement. Ouais, effectivement, les conditions sèches et le ciel est extrêmement nuageux, hein, quand même. Donc peut-être des ondées pourraient arriver. En tout cas, un temps très morose pour ce week-end-là. Et on est parti. Et sur cette course, je ne vais pas gêner les pilotes, je vais juste voir ce qui se passe devant, tout simplement. Je vais mettre mes manches pour. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un carnage au premier virage? On va voir ça tout de suite. Ça, ce qui peut très probablement arriver, d'ailleurs. Ah non, non, à part quelques contacts, ça reste assez propre en fait. Ah, il y a 4 de front devant, ça y est. Oh là là. Malgré les 3-4 de front qu'ils font, ça n'a pas cassé. Très surpris, parce que vu le plateau de F2 qu'il y a, j'aurais été surpris que ça casse pas, mais ça ne casse pas. Et les pilotes, ils ont appris leurs erreurs, c'est bien. Bien joué à eux. Ouais, never mind, ça a cassé. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout, ça a cassé. Alors, qui a cassé? Oh là, ça se gêne, ça y est, c'est le bordel, ils savent plus quoi faire. Et c'est Anis qui décidément vit des courses en ce moment qui sont assez mauvaises, entre casse-moteur à Abu Dhabi et là, l'aileron cassé sur un contact bête, je pense. Course à oublier pour Anis, l'ancien pilote de Formule 1 chez McLaren, justement, la saison 1, c'est assez triste, franchement, là. Ce qui va y avoir, oh, il y a encore d'autres casses, effectivement, il y a un drapeau jaune et une voiture qui est sortie, et c'est l'autre Dams encore, mais décidément, Dams qui vit des courses, et Roshiji aussi, encore, non mais, mais pourquoi c'est toujours les mêmes pilotes qui ont des problèmes? Ça fait deux fois, hein. c'est toujours les mêmes pilotes qui ont des problèmes, c'est assez terrifiant, alors qu'ici, il y a un pilote qui est rentré au stand, et c'est pour ça que j'ai gagné une place, et ça a encore cassé, mon dieu, mais qu'est-ce que, oh là. Ouh là là, il y a deux voitures qui... J'ai cru qu'il allait faire une Lance Stroll et revenir sur la piste, mais non. Oh, il y a encore du carnage ici. Quelqu'un qui a eu une roue crevée, je pense, très probablement. Son aileron intact, il est lent. Je pense qu'il avait une roue cassée. Enfin, un peu crevée. Bon, il s'est encore cassé devant. Ça ralentit. Ça ralentit extrêmement fort. Qui a cassé? CHN Tierce, qui va rentrer au stand, je pense, très probablement. Ah ben, je disais qu'ils étaient extrêmement propres. Deuxième tour, ils ont tout cassé. Donc je serais mieux de ne pas parler trop vite, je pense. Donc, ici on a une lutte pour la 12ème position. J'avais très envie d'y aller, hein, mais bon, j'ai pas le droit. Hein. Je suis spectateur, tout simplement. Ici on a... Oh, et ça a encore cassé devant, et ça s'est planté pour deux voitures qui se sont rentrées dedans. Très probablement, là.
Et c'est tout pour les highlights de ce Grand Prix. Donc Matteo Gioppi prend la victoire, deuxième victoire d'affilée en Racky Hills, Tayana Quarry. Ensuite on a Lenny Pevinter, le leader du championnat, devant Hacker, devant Alex Trigoun, ensuite Hog Infinite, devant Microphone, ensuite on a Jeune de côté, devant Romain Rodiger, Jean-Baptiste Baden et Antoine Edogawa qui complètent le top 12. Et par conséquent, les points, ils ne sont pas à un tour, hein, c'est un bug. Et puis vous avez le reste du classement avec deux pilotes qui ont été pénalisés durant ces collisions, donc Berli Bledar et Arnaud Aschentiers. Course à oublier pour tous ces pilotes qui sont rentrés dans les collisions. Et vous avez vu les quatre, enfin les trois DNF de ce Grand Prix au préalable, que sont Robin Duhamel, devant Clément Royer et Jenson Anderson. Et donc course à oublier hein, pour les deux rookies que sont Anderson et Aschentiers. Donc là vous avez le classement Formule 1, Nixam est toujours en tête, mais il s'est fait rattraper par Tim Moon qui est désormais son dauphin grâce à cette victoire qu'il a eue sur ce Grand Prix très trempé de Monza. Ensuite on a son coéquipier Jambon qui est troisième, donc 50 points pour Nixam, 46 points pour Tim Moon et 43 pour Jambon. Ensuite on a Romain qui a 41 points, c'est très serré, les 4 premiers sont en moins de 10 points. Ensuite on a Noctawa qui prend la 5ème place du championnat avec 30 points. Miles Sides qui remonte très très fort forcément avec ce résultat incroyable qu'il a sorti, il est 6ème du championnat avec sa QRT, 22 unités pour le rookie. Ensuite on a Santino avec ses 14 points devant Draken et Guillaume qui sont à égalité avec 12 unités. Je suis juste derrière avec 11 points devant Paul Verhaeven qui, avec sa 6ème place, passe devant Belinda et son coéquipier Benjamin Knox. Très très important pour lui, je pense, parce que les deux pilotes Red Bull, et je pense qu'ils vont se battre pour être le pilote numéro 1, sachant qu'ils sont arrivés dû au transfert pour combler l'absence de Nixam et Mr. Louis, tout simplement. Donc ils vont essayer de prouver leur autorité dans l'équipe. Ensuite, on a Agatou devant Hugo The Survivor et Ludo, qui sont les derniers pilotes à avoir marqué des points. Et ensuite, on a les deux Formule X de Mr. Louis et Franglais qui n'ont pas marqué le moindre copec, le moindre point. Ensuite, en constructeur, nous avons Mercedes qui mène devant Williams Toyota QRT, qui prend donc la 4ème place du championnat devant Ferrari, Red Bull, Automation. Les deux qui sont égalités. Ensuite, on a Audi devant McLaren et Formule X qui n'a toujours pas marqué le moindre point. Ensuite, on va passer au classement Formule 2 avec Lenny PNR qui mène toujours ce championnat devant Matteo Gioppi et ses deux victoires consécutives. Ensuite, on a Aquari qui est troisième du championnat. Pas très loin quand même, hein, en vrai. Ensuite, on a Racky qui est assez régulier et peut se retrouver dans la lutte au championnat, on ne sait jamais. Ensuite, on a Hog Infinite devant Robin Duhamel. Ensuite, on a Jeanne Ocloté devant BlaBlaF1, Hacker, Banane, Strigoun, Jean-Bat, Rodiger, Melsen, Dillman, Aschentiers, Anderson et Edogawa. Et puis pour le reste des pilotes qui n'ont pas marqué de points, nous avons Kinder, Anis, Hirochiji, Berli et Mojo Vaxivière. D'ailleurs, le dernier champion F1, hein, tout simplement, de l'ancien pilote RP. C'est triste pour Mojo de se retrouver dans cette position. Déjà qu'il n'avait pas vécu une saison incroyable la saison dernière. Ouais, c'est un peu la chute aux enfers. Hein. Donc c'est là qu'on va s'arrêter pour ce Grand Prix de Monza. Le prochain Grand Prix, si je ne dis pas de bêtises, sera à Bakou. Ça promet, ce sera à Bakou pour la Formule 1. Et ce sera en Europe, à Valencia, pour la Formule 2, ce qui promet beaucoup de spectacles et de bordel, je pense, très probablement. Mais bon, ça, c'est pour le prochain épisode, donc je ne vais rien dire. Est-ce qu'on va avoir un quatrième vainqueur différent ou pas, en Formule 1 ou pas, c'est la véritable question. Est-ce que Matteo Gioppi va remporter sa troisième victoire consécutive ou est-ce qu'il va être détrôné par un autre pilote? Est-ce que Lenny va garder la tête du championnat? Toutes ces questions seront répondues lors de la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis, tchuss et portez-vous bien.